Whispers of an ancient tomb. Holding horrors in every room. Ghastly ghouls, poison galore. But in the shadows lurks something more. Nights of death and abominations. Cleaning your bits for new creations. And if by chance you should survive, there's plenty of sweet loot inside. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone en compagnie de Legba. Coucou Legba. Coucou. Alors nous allons faire le boss qui t'a traumatisé, c'est ça? Il me semble que c'est lui. C'est comment okay. Il s'appelle? Ah, attention, je clique. Faites demi-tour, mortel. Vous touchez à des pouvoirs que vous ne comprenez pas. Reine de Manoir. L'entrée du repère de l'aile noire est gardée par des orques sans pitié, dirigée par Reine de Manoir. Non, c'est pas lui qui m'a traumatisé. Ok, alors... Pouvoir héroïque, invoque 3 dragonnets, 1-1, change de pouvoir héroïque. Oh, change de pouvoir héroïque. Ok, on y go. Oui. On prend le mage. Go. Plan de domination du monde. Choix d'un bon siège. Invitation de client légendaire. C'est parti. Préparation du popcorn. Jaina contre Reine de Manoir. Nous sommes la véritable horde. Vous non, vous n'êtes rien du tout. Oh, okay. Tellement tué pour avoir osé dire ça. C'est le but. Ok, alors. Qui tue? Non, le but c'est que tu le tues. Ouais, mais qu'il a envie de me tuer, c'est le but. Ok, alors bonjour. Bonjour. Vous vous trompez de montagne. Jamais, je ne me trompe jamais de montagne. Orque sait que vous vous y prenez mal. Méchant, lui. Bien joué. Bien joué. Ah, il change de dialogue. Ah. Merci. Ah non, laisse-moi rigoler tout le temps. Menace. Ma magie va vous mettre en pièces. Ok, là ça me fait rire aussi, fin du tour. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Son pouvoir héroïque, moi j'en étais sûre. Alors c'est quoi son nouveau pouvoir héroïque? Invoque 2 orques 1-1 avec provocation, change de pouvoir héroïque. C'est génial cette chose. Ok, donc je mets ça, puis le projectile des arcanes. Ouais, c'est un problème d'un métier. Ouais. Alors là, tu le tapes un peu. Voilà. Boum dans ta tête. Il est génial son pouvoir héroïque, super cool. Celui qui se planque derrière. Ok, alors c'est quoi maintenant? Invoque 3 dragonnets, 1-1. Oh d'accord, c'est cool ça, je trouve. Ok, okay. Deuxième mouillant pichenette et possiblement deuxième provocation. Voilà, est-ce que je l'attaque ou pas? J'hésite. Bah, j'ai dit possiblement attaquer la deuxième provocation. Ouais, on tente, allez. Vas-y, ça c'est très bien. Si j'ai un truc de zone, c'est parfait. Ok. Ok, alors là. Ça, plus contre-sort, plus dans l'art. Ouais. Nous avons bien. De nombreux secrets. Boum dans la tête. Boum dans la tête. Et on prie pour avoir l'explosion des arcanes. Ah, explosion des arcanes. Plus 4 points de dégâts. Oh putain, heureusement que j'avais ça. Vas-y, tue le Sparrow, Yalos. Aucun problème. Ah, c'est dommage, mon petit coco. Si on avait un de plus. J'hésite à mettre la vaporisation pour augmenter mon vire, mais j'ai peur que ce soit du gâchis. Tu la gâcheras un peu. Non, utilise ta mage du Kainter pour tuer le dragonnet à 2-3 là, et puis il rentre une onde là. Pour Dalaran. C'était du gâchis un peu, je trouvais, de faire ça quand même. Parce que là, il va le tuer avec un truc 1-1, alors que j'aurais pu mettre 4 points de dégâts dans la tête. Voilà. Lui il est mort. Ok, ça. Dans la tête. Invoque gîte. Ok, d'accord. C'est le moment de la vaporisation. Ah non, pas encore.
On va gagner du temps. Pour l'aile noire. Putain, faut que je tue rapidement, tu vois. J'aurais attaqué l'autre à ta place. Ah, je pourrais pas jouer ma... Si, je pourrais. Ça... Non, j'aurais plus assez. Ah si, t'as raison. Ça fait 3-8. Je suis bête. Ok, go. Attaque avec ta 8-3. Attaque avec ta... Ah quoi que non, je pourrais la tuer. Ah bah, attaque avec ta 8-3, vas-y, vas-y. Attaque avec ta 11-6, vas-y, attaque avec. Attaque avec, attaque avec. Vas-y, oui, je t'aime, merci. Meurs. Boum. C'est parfait. Tout est bien qui s'arrange bien. Oula. Ok. Tu penses à ce que je pense? Oui. Prions. Dislocateur mental TC-130. C'est pas grave. C'était prévisible. Ouais. Non, c'est pas grave. Ok. Pour l'aile noire. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Ok. Dommage que j'en ai pas deux. Ok. Très bien, ma foi, ça tombe très bien. Quatre points de dégâts. Je vais faire ça là-dessus. Et je le tuerai avec une pichenette au prochain tour. Hop. Je détiens la puissance de l'aile noire. Évidemment. Faut que je le tue rapidement là. Non, ça vaut pas le coup. Quoique si, ça vaut le coup en fait. Ah, je crois que... Il va me rester un point de vie. Je détiens la puissance de l'aile noire. Ok, elle a gagné. Non. Pas si. Ah si, maintenant oui. Bon, donc j'attaque directement sans poser de questions. Le mage est pas mal, mais il faudrait piocher l'explosion des arcanes. J'en bégaye. Joui, hop là. Depuis quand je bégaye, moi? Depuis que les boss t'énervent. Jaina contre Rend Manoir. Nous sommes la véritable roi. J'y vire tout là, c'est tout. Vous l'avez cherché. Tout à l'heure que j'aurais besoin de toi, espèce de boule de feu. Elle hein. Boude pour avoir. Parce que tu lui as dit ça. Oh bah, peu boudé, ouais. Ok, bon, c'est très bien, j'ai de la chance, j'ai toujours mon vire mon premier tour ces temps-ci. Vous trompez, non, c'est ma montagne. Même cet orc sait que vous vous prenez mal. Vilain. Ouvrez les portes. Ok, donc ça c'est pas grave, pas de problème. Boum, directement dans ta tête. Celui qui se planque derrière. Bon, maintenant je veux l'explosion des arcanes immédiatement. D'accord. Bon, bah là j'ai pas le choix. Mais il va le tuer, il va le tuer. Bah vas-y. Tue-le. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Da 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 da. Ensemble, rien de okay. Peut nous arrêter. Vas-y, c'est pas grave. Big Game Hunter, là, je dirais. Ouais. Cible en vue. Et puis boum dans ta tête. Vas-y, tue-le, hein. Voilà, très bien. Le héros. Il
Bah non, c'est très bien justement. Ok, donc on va faire ça. Ça. Puis ça. Puis ça. C'est miroir. Ouais. Voilà. Ah bah, il est terminé. Qui commence à avoir des gros trucs. Ouais. Oh non, c'est une blague. C'est une blague. Il commence à avoir des gros trucs, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Ah, prions. Vas-y, donne-moi la 7-10. Oh putain, t'es casse-couille. Ah, tu connais le bug graphique que j'ai? T'as quoi comme bug graphique? Ouais, c'est moi qui s'est résolu. En fait, la carte est de côté en gros plan. Mon dieu. Ouais. L'image miroir est champion. Ouais. Contemplez la puissance de Hurlevent. Oh, qui êtes-vous? Au revoir. Au revoir. Très bien, respirons. Ah, qui m'écrit sur Skype? Je suis tenté de lui mettre ça dans la tronche. Attends, si jamais tu le fais, il tombe à 15, tu pourrais lui faire 6 de dégâts, il tombe à 11, 3 de dégâts, il tombe à 8. C'est vraiment. Et gèle cette chose. Ouais. Bah, tu peux, dans ce cas, tu joues le char de force et gèle la 7-8. Ouais. Ouais, ça va le forcer à utiliser ses autres cartes pour associer ses autres cartes dans le champion. Ça le dévoile. Bah, dans ce cas, faudrait que je tue la 3, hein, parce que ça vaut pas le coup de garder les. Je vais me prendre 10 points de dégâts dans la tronche alors que lui il va pas se prendre grand chose, quoi. Bah, je sais pas, attends. Ouais, je jouerai le char de force et je ferai le javelot, c'est ce que tu peux mieux faire de mieux, à mon avis. Bon. Je me sens pas trop. Encore? Bah oui, son pouvoir héroïque. Mais Grid, c'est un dragon unique, hein, faut arrêter au bout d'un moment. Maintenant, ça vaut plus le coup de la mettre sur lui, à l'Extrazan, donc je la garde pour moi quand je serai dans la merde. Oui. Pas chef de plan dans ton deck? Bah si, mais faut tomber dessus, quoi. Je l'ai jamais vu. Bah je te jure que je l'ai. Toujours ça de prix. Oh bon, c'est déjà ça. Tu vois, ça, j'aurais mieux fait de l'attaquer direct. Mais quoi? Bah là, lui, il a trop de points de vie par rapport à moi qui rien, quoi. Non, mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'arrives pas à prendre le contrôle du board. Oh, j'ai perdu la tricycle. Ah bah, il est terminé. Vous avez gagné. Ah, j'en ai marre. Tu redémarres? Ah merde. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va bugger à la limite, on va se stopper là et je vous reprends après, à tout de suite! Ok, donc on va retourner poutrer du méchant. Alors, avant. Alors, petit deck, bah, comme ça tu redémarres! Bah oui, bon, ouais. La surchauffe, tout ça. Bah ouais. Tu veux des chatouilles! Oh mon dieu, aidez-moi! Il attaque des chatouilles! Eh oui, eh oui!
C'est la fin, tu crois que ça marcherait contre lui? Je sais pas qui c'est. C'est Red de Manoir. Ah non, non, non. Peut-être que si en fait, j'en sais rien. Personne n'a essayé. Est-il sensible au château? Bon, on va essayer. Attends, le château, il château, il château, il château, il château, il château, il château, château. Ça marche pas. C'était pas très efficace. Non. J'ai critique. Sans. Oh oui. Ok, donc il lance ses trois dragonnets. Ce qui tombe très bien. Parce qu'au prochain tour, je vais lancer une attaque spéciale anti truc à 1. Ok, voilà. Super. Invoque un dragonnet 2-1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Ah, ça c'est moins cool tout à coup. Ah si, bah si, je... Est-ce que je peux le tuer ou pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui voler quelque chose. Dislocateur mental, tes essences enclenchées. Ok, j'ai volé qu'un 1-1, c'est pas terrible. Ah, c'est cool ça, c'est parfait. Ça c'est pour moi, super. Vas-y, attaque-moi. Je vais te faire du mal. Allez. Ah bah voilà, là j'ai le choc de flamme, tu vois, il le fait apparaître quand t'es plus là, juste pour me troll. Tu te rends compte quand même? Aucune honte, hein. Ce jeu n'a aucun honneur. Plus 3, plus 3. Ok, donc il va se suicider là-dessus, évidemment. Oh. Ah. Ah. Pardon. Ok, donc on va attaquer la 3-1. Et puis mettre la barrière de glace. Ok, ma foi. Hop. Voilà, voilà. Voilà, il m'attaque. Attaque-moi, c'est pas grave. Je n'ai pas peur de toi. Tac. Et tac. Je crois que j'aurais peut-être dû le tuer au tour suivant et tuer ça. Ah. Je rêve. Mon dieu. Ok. Ça me paraît un peu tôt pour un choc de flamme, mais pourtant je vais déguster. On va jouer ça. Tac. Et puis tac. Voilà. Hop. Tu es celui qui se planque derrière. Ok. Ok. C'est l'heure du choc de flamme. Oh, c'est l'heure du choc de flamme. Sinon je vais mourir. Et puis je mets ça. Hop là. Ok, toi t'es morte. Ok, j'ai 7 points de vie, on a 27. C'est pas beau, c'est pas beau. Ok, donc c'est parti pour le contre-sort et c'est parti pour geler les adversaires. Hop! Et c'est parti pour l'attaquer lui. Ça va pas nous servir à grand chose. Ok! Ah, je crois que j'ai perdu là. Allez, pour la gloire. Pourquoi j'ai peur? Est-ce normal que j'ai peur? Bon, ok, on a perdu. Bon, on capitule. Vous avez gagné. On va essayer avec le prêtre. On va essayer avec le prêtre. Il y a un peu plus de Nova Sacré. Je sais pas. On verra bien. Allez, go. Choisir. Prends-moi le prêtre. Avec prêtre. Ok, joli. Sinon je sais pas trop, on peut peut-être essayer avec... Non, 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 il a des provocations donc un petit deck ça sert à rien. En fait il est vachement blindé son deck à suivre. Ok, vous deux vous dégagez, vous êtes trop grosse. Ok.
Tac, tac. Ouais, bof. Moi pas trop convaincu. Vous vous trompez de montagne. Risque de me répéter, c'est ma montagne. Orc sait que vous vous y prenez mal. Ok. Ah ouais, mais alors du coup j'ai plus le pouvoir du mage qui est vachement bien contre lui en fait. Ça, c'est cool. Travail terminé. Concentrez-vous sur le héros, idiot. Ah ouais, ça va être vite la merde en fait. Ouais non, ça va pas le faire le prêtre. Il me faut vraiment un mage. J'ai vraiment besoin d'un mage. Ok, on va lui donner des attaques, évidemment. Hop, tac. Hop. Aïe. Aïe. Mon dieu. Aïe. Je prends cher. Les choses qui arrivent. Okay. Mais je suis sûr que tu aimes ça. Bon là ça fait vraiment mal. Et alors? Le canon. Tu es celui qui se plante derrière. Ok, donc là il prend ça. Ok, donc on inspire, on expire, Évidemment. Aïe. 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 Lui de plus 2 va mettre 10 points de dégâts dans la tronche. Il va m'en mettre seulement 9. Je vais jouer ça. Allez. Prions. Ok, il m'a attaqué directement. 4 points de dégâts dans ma tronche en direct, j'imagine. Ah non. Ok. Ok, cette fois j'ai une provocation. On va tuer ça. Tac, et on va me soigner. Le prochain tour, on soignera mon petit œuf. J'aimerais bien qu'on nous le donne, l'œuf, il est très mignon. Ok. Donc là, on va tuer celle-ci, évidemment. On va prendre ça. Puis on va se soigner, hein, parce que sinon, on est mort, n'est-ce pas? On va attaquer ça, voilà. Tac. J'ai mal, j'ai mal. On fait un point de dégâts à tous les serviteurs. Aïe, ah, 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 bobo. Ok, on va faire plus 3, plus 3. Oh my god. Ok, je pense que une provocation est de rigueur, mais il va la tuer facile. Et après, il va me one-shot. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je augmente mes PV. Je serai à 8, 8. Ah oui, mais faut que je tue cette chose. Bah, je vais tuer cette chose. Tant pis, hein, mon démolisseur va y laisser la vie, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Ah, je lui ai donné des dégâts? Vous venez de me voir lui donner des dégâts supplémentaires? Oui. Quel idiote, ce jeu rêve. Non, 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 c'est parce que tu aimes te faire taper fort. Oh, je me suis suicidée en fait. Oh, c'est pas bien. Voilà. Oh, le suicide, le suicide. Ok, bon. On va se fabriquer un mage, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, on va supprimer le gros deck. Et on va mettre un petit mage à la place. Gros deck supprimé. Oui. Nouveau deck. Il me faut
Les pouvoirs du mage. Il me faut, ouais, toutes les provocations que tu peux prendre. Il nous faut les projectiles des arcanes. Non, mais tu vas prendre les dorés, c'est vachement plus joli, les dorés. Hop, toc. Les viandes de mana, c'est génial. Ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Non, mais prends les dorés. Qu'est-ce que t'as contre les dorés? Pourquoi tu prends pas les dorés? Explosion des arcanes. Ah, tous, tous. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est très bien, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien aussi. Je ne veux pas piocher, non. Je l'ai, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça il me faut deux même. Ça, ça fait mal, c'est bien. Ça c'est bien aussi, ça c'est bien. Ça c'est génial, ça c'est génial. Hop là, tac, tac. Voilà. Et maintenant on va essayer de prendre des trucs qui font mal. Alexstrasza, Kel'Thuzad. Ah merde, je suis full. Qu'est-ce qu'on peut virer du coup? Non, ça c'est important. Un canon lance-flamme, ça peut servir. Ouais, non, ça va être chiant. On va prendre ça. Écoute, si t'as pas de dégâts, si t'as pas de monstres qui font des dégâts, comment tu veux le tuer? Je vais enlever une métamorphose et puis je vais mettre. Je vais mettre ça. Un choc de flamme blizzard, je garde, c'est clair. De feu, je garde. La Nova, je vais l'enlever. Tant pis. Faut quelque chose qui fasse du mal. Je vais prendre l'ampleur Torisan. Je vais enlever une entité miroir. Et je vais prendre provocation et bouclier divin qui est pas mal. Je vais garder le contre-sort, ça peut être pas mal. Projectile des arcanes. Non, projectile des arcanes, j'en prends un ou deux projectiles des arcanes. Contre qui tu es? Quoi? Contre qui tu es? Bah contre le même. Ah, t'es toujours en train de galérer contre lui? Bah oui. Bah, je sais pas. Ça vaut le coup pas? Bah ouais, ça peut valoir le coup d'en prendre deux, mais bon, si t'as pas de meilleure carte, vas-y. Quoi? Tu si veux t'as pas de meilleure carte en tête, mais celle-là. Non, pas de meilleure carte en tête. Ça, c'est un peu cher, hein. Moi je vais reprendre celle-là, mais bon. Bon, on va terminer, on essaye ça. Deck mage. Je crois que je vais te laisser t'appeler deck mage. Méchant rend. Voilà, terminé. Retour. Hop là, aventure. Normal. Ok, c'est parti, c'est parti. On va prendre le méchant rend. Voilà. Hop. Corruption des gentils. Manipulation des mortels. Ok, go. Tadadam. Tu vas mourir, mes créants. Tout ça dégage, c'est trop tôt. Je pourrais pas vous jouer avant 6 tours, de toute façon. Ça, c'est mieux. Ok, on est parti. C'est moi qui commence. Donc vu qu'il va me casser les couilles, je joue ma provocation. Donc je sais qu'il a un dragon en main, qu'il a gagné des PV avec ça. Donc je vais essayer de lui commencer à lui faire du bobo. Voilà, là il va jouer ses petits dragons. Et oui, les petits dragons. Les petits dragons, amène-moi. Vos amis pour la vie. Nous avons de nombreux. On met le contre-sort, fin du tour. Hop là. Et au prochain tour, explosion des arcanes dans sa tête. Très bien. C'était quoi que tu voulais jouer, mon coco? Tu es celui qui se plante derrière. J'ai pas compris ce qu'il voulait jouer, c'est pas grave. Non, je sais pas.
Ok, donc c'est parti pour un point de dégâts à tous les adversaires. Et je finis de tuer celle-ci avec mon pouvoir héroïque. Comme ça, tu n'as plus personne sur la table et tu as perdu 2 tours. Et boum, dans ta tête. J'ai pris 2 tours avec mon fou. Ouais. Oh, il a tué mon mage. C'était pas gentil, ça. Ok, donc on va jouer la barrière de glace et le pique-piqué. On peut rien jouer d'autre. Ok, dragon qu'on sort. Comme ça, il va me mettre un dragon au prochain tour, mais c'est pas grave parce que moi je joue ma. Ma provocation. Hop là, bouclier divin, vas-y. Et après, je vais jouer l'empereur Torisan. Hop là, voilà. Ah non, peut-être pas. Je crois que j'ai d'abord tué cette carte. Tant pis. Hein. Je vais tuer ça. Et je vais, je pense. Me tâter très fort. L'attaquer lui, je pense. J'hésite à l'attaquer. Je crois que je vais attaquer directement lui. Travail terminé. On va marcher au feeling. Hein. Là, hashtag YOLO. Hashtag YOLO, ouais. Complètement. Ok. +3/+3. Je te tue au prochain tour avec ma boule de feu. Ok. Donc là, ma barrière fonctionne. Maintenant, il prend un truc qui fait du mal à tout le monde. Ce qui serait super cool, ce serait un blizzard. Qui permettrait de gagner un tour. Une barrière de glace, ok, donc ça me laisse pas le choix, faut que je tue ça avant qu'il me tue. Je vais pique-pique une provocation. Et du coup, je ne peux rien faire d'autre, donc fin du tour. Hop! Pour l'aile noire. Ok. Tac. 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 Ok. Maintenant, il me faut vraiment un truc de zone. Je déconne pas, il me faut un truc de zone. Tu parles chinois. Oh là là. C'est pas grand chose pour l'instant, donc je vais piquer ça. Et je pense que je vais tenter le coup avec la vaporisation. Je détiens la puissance. En espérant qu'il m'attaque avec sa 6-6 directement dans la tête. Et oui, vaporisation dans ta tête, la 6-6. Boum. Heureusement que c'est une IA. Hein. Heureusement. Ouais. Boum. Meurs. Ok. Oh, il invoque une provocation. C'est pour m'emmerder, ça. Ok. Eh ben, génial, truc de zone. Meurs. Voilà mon choc de flamme dans ta tête. Toi tu meurs. Maintenant c'est toi que j'attaque. Boum. Ok. Un point de dégâts à tous les serviteurs. Ok, moi. Okay. Il a tué mon personnage. Une 6-6, c'est pas grave, j'ai une 5-5. À moi. Bah je vais jouer Kel'Thuzad, c'est encore mieux. Et je tue un dragon. Voilà. Comme ça, je peux tuer ta 6-6. Détruis un serviteur légendaire chien. En plus, ça te coûte qu'un seul point de dégâts. Tu te fous de ma gueule. Ça te coûte qu'un seul point de dégâts. Non, ça lui a coûté qu'un seul point de mana de tuer mon serviteur légendaire. C'est une chose qui arrive. C'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. À moi. À moi de te faire du mal. Allez. Toi, prochain tour, t'es mort. Hop là. Ok, c'est parti. Je détiens la puissance de l'aile noire. Ok, donc là, tu vas m'attaquer moi, non? Non, non, c'est bon. Ok. Donc, je vais jouer ça. Et attaquer sa 6-1. Voilà. Ok, il va me laisser 3 points de vie. Alors, j'espère qu'il va pas me faire trop de mal.
Trigon. Ah bon. Ah bon. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Ma tête a mal. Ah boum. Ah boum. Ah boum. Ok, il me reste 4 points de vie. Inflige 4 points de dégâts. Ah, je suis dégoûtée. J'avais l'Extraza au prochain tour, je pouvais le tuer, je pense. Bon, on recommence. Ce deck est mieux déjà contre lui. Ok. On est reparti. On prend le deck méchant Rend et c'est parti. On lui fait du mal. Hop. Contre Rend Manoir. Il est chiant celui-là. Hein. Nous sommes la véritable horde. Ok, vous bah au revoir Torissan et Kalthusat, vous êtes un peu trop tôt dans le jeu là. Ouais, j'ai un peu mieux. Je peux pas jouer autre chose qu'une image miroir au premier tour. Bah non, bah je vais jouer mon image miroir. Tac. Même cet orc sait que vous vous y prenez mal. Je m'y prends pas mal. C'est pas vrai. Pas mal. C'est faux, t'as raison, c'est faux. Tu dis des bêtises. Du coup, je lui lance une pique dans la tête. Ouvrez les portes. Pique. Hop là. Faisais la rage, hein. Tu es celui qui se planque derrière. Le noir. Hop. On va tuer celui-là. Ensemble. Rien ne peut nous arrêter. Ah, ça c'est pas cool. 8-4 au tour 3, tour 4, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Moi je peux pas faire grand chose. Nous avons un nombreux secret. Hop, tour. Ok, bon, faut tenir le temps de pouvoir lancer le choc de flamme. Là il va tuer mon mage, bien sûr, voilà ce que c'est. Aïe. Et au prochain tour, je vais me prendre 10 points de dégâts dans la gueule gratuitement. Très bien. Ah bah non, je vais la transformer en mouton. Voilà, ça c'est fait. Et le prochain qui va utiliser, voilà, je pourrais lui mettre mon choc de flamme sur la tête. Hein. Voilà. On est mal un peu quand même. Deux orques, 1-1. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une Alexstrasza dans la tête. Ah non, on va plutôt utiliser ça ce tour-là, c'est bon. Et l'attaquer directement, voilà. Prochain tour, on lui met une Alexstrasza dans la tête. Vous osez défier ma fidélité. Onyxia. Oh, votre dragon est jusqu'à remplir votre plateau. Onyxia. Ah, c'est la merde. Oh ouais, bah choc de flamme. Choc de flamme, au prochain tour ma vaporisation, je vais me reprendre 8 points de dégâts gratos dans la tête. Ah oh non, j'ai plus 3, plus 3. Oh, 11 points de dégâts gratos dans la tête. Aïe. Ok. Ok. Très bien. C'est la merde. Je crois que dans tous les cas, je suis morte en fait. Okay. Ouais, dans tous les cas, je suis morte. Bon, on recommence, capituler. Vous avez gagné. Requin. Alors, on est reparti. Choisir. Méchant Rend. On repart. Go. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui est chiant celui-là? La vidéo était combien de temps là? Une heure? Ah non, 25 minutes plus les 5 minutes avant que tu bug. Ok. Pourquoi t'as l'impression que ça fait une heure? Bah ouais, je sais pas, j'ai envie de trouver le temps long. Peut-être que je vois pas en fait.
Ok. Ok, là. Ok, tu veux faire autre chose et me retrouver après ? Chérie, si je voulais partir, je te dirais. Okay. Juste que le temps me paraît le plus long parce que je m'occupe pas en regardant les animations de tes. D'accord. De tes épiques batailles. Tu t'en sors avec le plot ? Ah ouais, je le sors. Bah, du coup, je vais me trouver à l'esprit et continue à t'écouter. Ok. Pas du tout. Concentrez-vous sur le héros, idiot ! Ok, donc celui-là je le tue à la main. À main nue. Voilà, tac. En même temps, si on me donnait pas des cartes que je peux jouer que dans 50 ans là. J'aurais peut-être moyen de contrôler le plateau un minimum. Mais... Ok, c'est l'heure d'un projectif des arcanes. Hop là. Et une pichette sur le dragon qui va apparaître. Voilà, voilà. Ok, ça c'était prévisible. Ok. Tac. 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 Attaque-moi direct, s'il te plaît. Au lieu de te suicider. Ah, invoque-moi plutôt avec elle au prochain tour. Tu m'en mages, voilà, très bien, très bien. C'est parfait, ma foi. Voilà, et on va jouer le contre-sort. Hop là. Maintenant, attaque-moi avec ta gîte. Tu es celui qui se planque derrière. Mon travail est essentiel. Allez. Laissez-moi tranquille. Vas-y, attaque. Nickel. Meurs. Maintenant, je vais tuer ça. Et attaquer ça. Voilà. Pour l'aile noire. Très bien. Je vais jouer Kaltuzad. Ah non, je vais jouer ça, c'est mieux. Tu es ça, voilà. Prochain tour, Kaltuzad. Ouais. Donc plutôt l'Extraza. Ouais. Ou plutôt tuer sa gîte. Quoi que je sais pas. Non, je vais lui mettre une Extraza dans la tête, ce sera fait. J'apporte la vie. Comme ça, s'il me la tue, ben, je tuerai ses autres. Mais lui, il aura perdu de la vie. Ok. Ça va me faire mal. Oh, il m'attaque direct. C'est quoi ce délire? Il est fou. Il est fou, lui. Ok, donc je vais mettre ça dans sa tête là. Je vais tuer ça avec ma Alextra. Où est-ce que je l'attaque, lui, directement? Non, non, sois pas idiote. Joue Kaltuzad. Joue Kaltuzad et tue ça tout de suite. Voilà. Comme ça, tu récupères Alextraza à la fin de ton tour. Voilà. Détruis un serviteur légendaire. Contre-sort, oh oui! Pardon. C'est la joie. C'est la jouissance contre-sort. Ok, il va me rester point de vie. Pendant qu'il... Pendant qu'ici dans le nord le ciel se couvre, ça sent l'orage. Oh my god, j'ai 2 points de vie. T'en peux qu'un pour gagner. C'est à moi. 8 plus 6 ça fait combien les gars? Ça fait 14. 8 et 6 ça fait 14, c'est bien ça. Je pleurerai. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Je crois que si je fais pas d'erreur de manip, j'ai gagné. J'ai gagné. Chercher le mauvais dragon. On m'a donné l'œuf de dragon que je voulais. Ok, mortel, vous cherchez le mauvais dragon. Je voulais l'œuf de dragon, j'ai eu l'œuf de dragon. Je suis contente. Ok, donc je crois... Tu pourrais faire des omelettes de dragon. Ouais. Picroche noir terminé. Reine de main noire, cri de guerre, détruit un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main. Si vous avez un dragon en main, ok.
après trésorerie de débloquer. Eh ben ma foi, mais c'est génial, on a fini le pic roche noire, voilà. J'espère que... Ah d'accord, que... Donc le boss qui m'a traumatisé, c'est dans le truc d'après. Ok. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis à très vite pour l'aile suivante. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.